Allez hop, on est reparti cette fois-ci pour une partie en survival avec toujours le petit ticule. Je vais mettre en privé aussi. Eh, hey, pas petit. C'était petit. Ne compare pas à ta... Allez, on est reparti. Ouais, je t'en prie. Alors, comment ça joue? Ouais. Ok. Nobody. Mec, il fait des coups spéciaux avec de l'argent. C'était ça qu'il avait écrit? Putain, si il fait des coups spéciaux avec de l'argent, on est dans la merde. Donc deux coups, circulaires sur 180 degrés. Non, 180, oui si. Oh putain, il tape super fort. Ouais, il tape super fort. Il tape plus lentement que le miroir. Hein. Alors, le but du survival, on explique rapidement, c'est du survival, ouais. Simplement. En gros, on est dans une espèce d'arène fermée et... Il faut survivre. Par contre, du coup, s'il faut de l'argent pour pouvoir jouer, c'est pas possible quoi. Ouais. Il tape lentement. Ah non, il y en a. Si, regarde, maintenant il y en a de l'argent. Et il lance des shurikens. D'accord. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on tue des ennemis, on... Je suis pas sûr. Alors, attends. Oula, 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 oula. Ah, putain. Ouais, moins que ce soit à chaque fois qu'on ramasse, on marche sur des pierres. Non, mais c'est ça, à chaque fois qu'on marche sur des pierres, en fait. Je suis mort à cause d'un pic. Et ça utilise 10 de mana aussi. Et en fait, on envoie des roches. Oula. Ouais, il y a des problèmes de... Ah, voilà, voilà c'est ça. Navré, c'est ma connexion, c'est sur moi. Ça peut être ça. Bon, je suis mort une fois à cause de... On va en haut. À cause de Satan Epic. J'ai l'impression que les shurikens font... Les shurikens font bien mal quand même, non? Je sais pas. Ouais, ils font du 10, c'est pas... Ouais, c'est pas mal quand même. Paf. Oh, oh. On s'est fait fisted. Ouais, grave. Ah, oh, c'est puissant quoi. Bon. Putain, mais on est mauvais quoi. Mais on est mauvais. Ah ouais, ce soir. Et quelle image je donne de moi maintenant, hein, d'un espèce de clampin qui sait pas gérer son perso. C'est ça. On fait une défense vrai. Plutôt. Ah, oh, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Bon. Bah, on fait du survival alors. On prend quoi comme config? Moi, je prends un palouf. Bon, bah, on va prendre le classique, hein. T'es prêt? Modifier ou pas? Non, 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 mode warrior. Mode warrior. C'est reparti. Alors, t'arrives? Ouais, ouais, 10 secondes. Tu me permets, je bois. Oui, parce que votre cher Célandron est habitué à faire des vidéos propres et tout, mais pas moi. C'est ça. Bon, enfin, c'est pas très grave. Ah, ouais, ça c'est. Par rigueur, c'est moi qu'il faudra insulter. Dans les ça, commentaires, c'est oubliez pas le pouce bleu, hein. Le pouce oubliez, bleu. Oui, oubliez pas le pouce bleu si vous aimez pas ce que je dis. Faites comme c'est l'endroit. Ah oui, il y a l'espèce de mage dégueu là. On est toujours pas arrivé à le buter, hein. Je crois qu'il est pas butable. Non, non, mais il est pas butable. D'accord. Mec, on a des espèces de cristaux bizarres, je sais pas à quoi ça sert. Ah, il y a des cristaux. Il t'en gagne à chaque fois que t'en tues, je crois. Ah non. Je vois pas du tout la logique. Ou alors, vu qu'il y a des vagues... Non, à chaque fois que je tape, on a 15 en fait. Ah, je tape une fois, 15. Ah non. 15. C'est bizarre. Ouais. Ça y était pas avant. Hein. Oui, ça, oui. Non mais c'est bien, ils sont mis à jour avec ce jeu. Ah bah ça va être quand on a découvert Hammer Watch tous les deux, il y avait pas... Là les cristaux bleus c'était pour décorer, trucs comme ça quoi. Voilà. Pas du tout ce que ah, c'est. Putain. On est bien séparés là par contre. Hein. Ouais. Voilà. Moi je suis... notre wizard préféré. Je suis pas loin. Ça fait du bruit. Putain, à force d'appuyer sur A pour sauter dans Rogue Legacy, j'ai la touche de la manette qui déconne. Ouais, j'ai joué une cinquantaine d'heures de jeu sur Legacy, j'ai plus joué que Célandron d'ailleurs. Ouais, bon, moi je suis peut-être moins efficace dans ce jeu, mais bon, j'ai un plus mauvais PC aussi. Ça aide pas. Non, mais sérieusement quoi. Je l'ai dit, si lui il a une Ferrari, moi j'ai inventé la roue. notez que je suis pas avancé, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, attends, hop. Mais non, mais si je réussis brillamment mon bac, ce que je vais faire, je devrais pouvoir négocier un PC potable.
Pas un PC portable, un PC potable. Vous avez saisi la blague. Oh. Moi je suis pas monté par contre. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Allez, j'étais occupé. Toi. Monter au 7ème ciel, c'est plus ton truc. Hein. Oh, ta gueule. Oui, notre cher ami est un soupçon sublime quand on commence à évoquer cette bite. Pas en direct. De quoi, pardon? Pas en direct. Salopard. Ouais, hop, 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 hop. Ça va. Tu vas crever. Non, c'est moi qui vais crever. Toi, oui. C'était pas loin. Ouais, et moi, je suis pas mort. Ta gueule. Bon, ok, moi, je me fais pas one shot. Oui, parce que le pauvre. Notre pauvre petit mage se fait one shot par n'importe quoi, donc. Ça devient compliqué de faire. De rivaliser, ne serait-ce que un peu avec tu parles avec, vraiment tout le temps, on s'en rend encore plus compte quand t'es en train de parler sur Skype quoi. Mais donc comme je disais, quand il veut rivaliser avec l'armure géante que je suis avec mon paladin. Ouais, j'ai un sac de PV, je vous avais sûrement vu en bas dans l'affichage tête haute. J'ai 75 de vie à la base, il en a 3 fois moins quoi. Voilà. Ah. Ah, notre petit mage a besoin d'aide. Il cule. Ça va, je gère. Vous finirez la phrase tout seul. Alors, j'ai un petit coffre. 10% de damage. Ah, t'es mort. Et comme t'es mort avant, bah du coup, j'ai plus de vie. C'est ça. C'est ce que j'ai à dire, tu es une enflure. Boum. Bon, mais ça va. Du coup, je vais finir tout seul. Ouais. Ça va pas tarder, de toute façon. Ouais. Meurs. Allez, boum. Meurs. Y'a rien qui... Meurs. Bon, ok. Y'a un coffre en bas, en plus. Y'a un coffre. Ouais. Donc, tu sais, si tu passes l'épique, elle est mort. Ouh, tout juste. Si tu passes les piques, tous les machins sur terre, ils vont mourir. Au courant ouais, de ça, je sais. Donc, attends avant. Allez, voilà, c'est bien, c'est comme ça que je te veux. Non, je le veux plus. C'est pas passé loin du tout. Oh, non. Allez, la plante. Moins. Le fail. J'ai qu'une chose à dire. Nous sommes mauvais. Ah, ouais, mais là, c'est grave. C'est ah, ouais, non. Super grave. En même temps, si ce serait aigu, ce serait pas drôle. Bon, on fait quoi? On en fait une? Comme tu veux. Ah, une dernière. Une dernière. Avec un modifier cette fois? Ouais, double damage, HP régène. Ok. Faut que tu te connectes. Medium, normal. Tu prends un TIV? Tu prends quoi? De TIF. Allez, de TIF. Deux tifs. Allez, on les connaît. Il va peut-être falloir qu'on se les coupe, un de ces quatre. Oh, c'était glorieux. Allez, avance. Ah ouais. Ah merde. Bon, ok. Allez. On va essayer. On va essayer. Là, c'est avec du fric. Ouais. Ça coûte combien, tiens? 6. 6, oh la vache. Il doit y avoir une histoire comme quoi on doit en gagner plus ou plus comme ça. Ouais, parce que sinon c'est très relou. Par contre 28 de damage. Super mal quoi. Ah oui, on a un double damage, c'est pour ça. On a des dégâts doubles, c'est pour ça. On va tenir super longtemps là. Ouais. Bon bah c'est parti. Bah, alors. Je suis en train de quitter ça va pousser. Lui il va mourir comme une quéquette. Ouais voilà, c'est ça. Je meurs toujours comme une quéquette. Ah comme un salon. Oh ta gueule. Oui, j'aime bien embêter mon cher ami. Quoi, tu préfères dire m'attendre en flure? C'est comme tu veux, hein. Si tu préfères. Non, c'est bon. Attends, il est sympa le voleur. Le voleur est sympa. Il a l'air sympa, ouais. Donc c'est une classe qu'on découvre en même temps que vous, hein. On l'avait même pas vu. Apparemment, c'est quelque chose qui fait des dégâts à 180 degrés. Plus qui envoie des pics, mais ça coûte des sous. Autrement dit, c'est l'endroit à plus utiliser souvent. C'est ça. Vu que je suis un gros radin. Ouais. Pour ça, il aime pas quand je pète, ça fait des gaz. Là, il y a une blague raciste et je me fais des fils de la trouver. J'ai pas tout à fait compris. Je sais.
Rappelle-toi de blague tout à l'heure sur la religion. Ah oui, c'est vrai. C'est donc là. Allez, donc la version classique du jeu. Version classique. Ouais. Ouais. C'est parti. Celle où on a plus de chances. Il était pas un peu plus rapide aussi? Peut-être. Ce serait logique d'ailleurs. Bon, faut peut-être que je m'arrête pour faire des blagues antisémites sur YouTube. Je m'excuse à tous ceux qui se pourraient sentir concernés par cette blague. Elle ne voulait pas offenser quiconque d'entre vous. Je m'excuse d'ailleurs si un tel effet a pu se produire. C'est aujourd'hui, j'ai lu sur Twitter que Benza il avait reçu un email d'un comité, enfin d'un truc comme quoi il était assujetti au comité, à un comité gay ou un truc comme ça, parce qu'il s'était excusé auprès des gays quand il a fait une blague. Tu sais, sur les vidéos comme ça, il faisait une blague et puis il s'est excusé tout de suite dans la volée, parce que c'est qu'une blague. Oui, oui. Et il s'est fait insulter par les types, pas trop compris pourquoi. Comme quoi, les blagues sur YouTube. Ouais, non mais c'est pas... Après, y'en a qui ont pas d'humour, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais je suis sûr que tous les abonnés, moi le premier, on a plein d'humour. Oui, parce qu'accessoirement, je suis abonné à ta chaîne, faut pas déconner non plus. C'est vrai. Bah ouais, puis même, je trouve ça sympa, tes let's play. Bon, je la rate pas tout, je te le reconnais, mais... je regarde certains, quand même. Surtout sur Mountain Blade, j'ai regardé aussi le premier, les guides pour bien débuter à Tones. Minecraft, ça m'intéresse pas, je t'avoue que j'ai pas regardé. Ouais, c'est pas grave. Bah, chacun s'intéresse aussi, hein. Voilà, c'est ça, chacun s'intéresse, si ça intéresse pas, ça intéresse pas. Hein. T'as plus de 50 abonnés, il y en a bien un au moins un qui doit regarder des gameplays sur Minecraft. C'est ça, il y a pas Rocky 91, je crois. C'est pas celui qui est là depuis le tout début. Salut à toi d'ailleurs. Ouais, c'est un des premiers, je crois. Ouais. Ah oui, tiens, les planches. Tu sais, les fameux. En fait, prendre le raccourci. Mec ! Quoi ? Prendre le raccourci, en fait, ça te fait perdre le jeu. Seriously ? Ouais, ouais. Ah, c'est qu'on a découvert un truc avec avec les planches, là, un truc que je suis allé récupérer. Voilà, là où c'est l'endroit où était, là, c'est-à-dire dans le mur. Ouais, il va droit dans le mur, comme sa chaîne. Ah, je suis drôle. Non, bon, bref. On a découvert, en fait, à quoi servait un objet un peu chelou que je suis allé récupérer. Et bah... Il se trouve que sans cet objet, on perd le jeu. Du coup, prendre le raccourci qui ne fait pas prendre le jeu, ce truc, bah... Je vais perdre le jeu. Ouais, c'est ça. Non, ça sert un peu. T'as vraiment c'est une blague du jeu, là. Faut pas... Ah, mais vu comment tu joues, faut pas t'étonner si t'en as aussi un peu réduit. C'est bon, ouais. Excuse, ça m'avait fait rire. Ça me manque, Usul. Ouais, moi aussi. Peut-être qu'ils nous regardent leur dédicace, Usul. Ouh. Allez, soyez fous, hein, t'es. J'en serais étonné, genre. Alors aujourd'hui c'est samedi et comme chaque samedi soir bientôt le dimanche. Voilà, bravo. Dédicace, check. Aujourd'hui c'est samedi comme tous les samedis soirs. Enfin c'est samedi soir comme tous les samedis soirs et demain c'est dimanche. Ouais, voilà, c'est ça. Genius. Ah ouais. Sinon oui, je suis fier de ma connerie. Bah heureusement. Bah en même temps ce serait pas vraiment moi quoi sinon. Enfin on n'est pas là pour faire la philosophie. Ah, ça m'a pas le souvenir, ça d'ailleurs. Ouais, on a eu un DS de philo vendredi. RTL, raconte ta life. Tu veux, je peux dire, je parle de quoi? Oui, sinon ce jeu, il est graphiquement intéressant parce qu'il nous oppose une belle vue du point de vue de la mort. Regardez ces ombres. Regardez, on pourrait voir l'Afrique sur moi. Ce jeu amène à la conquête du monde. Ce jeu est malsain et il faut pas l'acheter. Voilà. Tu préfères que je dise ça peut-être? T'es parti un peu loin. Ouais, je suis parti en Afrique. On t'a complètement perdu là, ça y est, c'est foutu. Ouais, oh. Tu peux allumer la carte, hein, tu vas me retrouver. Ouin, 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 ouin. Exactement. Oui, alors il y a une grande caractéristique, quand je fais une blague, tout le monde se tait après. Je sais pas si c'est un complot ou si c'est un hasard, mais toujours tout le monde se tait. Non, non, c'est juste un hasard. Je t'assure. Et putain, mec, tu sais qu'en plus j'ai tapé une crise d'asthme sur la route. Parce qu'en fait, je suis allé manger. Il y a un McDo pas loin de chez moi, et comme il n'y a pas mes parents, du coup, je suis allé avec quelques amis. Et j'ai tapé un sprint après pour retourner être ici dans les temps. Parce que j'avais promis à notre cher Cendron qu'on ferait une vidéo. Et du coup, enfin, je voudrais avec lui. Et il a décrété qu'en faire une vidéo ce serait fun. Parce qu'il a, je suis sûr qu'il avait une fausse envie de me présenter à vous tous. D'ailleurs, c'est ça. Propre, tous. Je sais pas si tu couperas l'épisode en 53, du coup, on sait jamais. Ah, je vais couper en 50 000 épisodes de 2 secondes. je te mets au défi de mettre tous les épisodes d'une seconde, quoi. Attends, il y a une chaîne sur YouTube, ils se demandent ce que c'est.
une chaîne où toutes les 30 secondes sortait une vidéo de carré de toutes les couleurs, très courte, de 20 secondes. Moi je me défie un jour de faire une vidéo que tu mets 10 secondes par 10 secondes. Oh, ça sert à rien. Ouais, mais c'est fun. Bon bref, j'étais en train de dire quoi moi? Oui, j'ai tapé un stream, j'en ai presque carrément fait une crise d'asthme. Donc j'ai failli mourir pour être sur cette vidéo. Non, c'est bon, c'est pas la peine de me remercier. Hein. Je suis sûr qu'en plus ça va vous saouler, je parle tout le temps, donc c'est pas très grave. Ah, enfin bref. C'est que c'est finalement toi qui as le plus de fric, connard. Bah ouais. Pourtant ça a l'air d'être toi qui utilise plus le machin que moi. Rigole, je le vois tous les 50 ans. Mais je me demande si avec le voleur t'as pas un bonus de fric. Oui, mais on est tous les deux des voleurs. Bah ouais, mais... Non, y'a pas. Hein. Par contre, tu tapes... Enfin, t'as... T'es lent à taper. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu... Je l'aurais mis plus rapide pour un voleur, quand même. Hein. Ouais, mais en même temps, t'as deux armes, quoi. Du coup, tu tapes quand même à 180 degrés. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Pire radiant, quoi. Ça fait beaucoup, hein. Ils vont pas comprendre ça. Ouais, j'ai bien ramené l'APK sur la table. Oui, donc pour ceux qui seraient encore en études inférieures, enfin au collège quoi, ou pas encore au lycée, ou pas en SI, ou qui ne sauraient pas, en fait les angles on peut les mesurer de deux façons, on peut les mesurer en degrés, ça c'est la version classique, ou en radian. Grosso modo c'est pareil, mais on divise par deux pi. Je crois qu'ils s'en foutent. Ouais, ouais, mais c'est le point culturel. Le point culturel, pas de plagiat, voyons. Oui, voilà, j'aime bien étaler ma science. Il y a un proverbe qui dit comme ça, enfin une prononciation, je sais pas quoi. La science c'est comme la confiture, moi on en a plus, on l'étale. Oh la vache, je vais devoir mettre un paquet de tags sur cette vidéo. Tu sais, les tags pour repérer les vidéos. Je mets des trucs complètement bizarres, point culture. Mais non, mais c'est une petite référence de rien du tout, tu mets pas point culture. Quoi. C'est ça, c'est juste pour. Tu mets point écule, c'est bien ça. Ouais, prochaine fois que je viens, je vous promets, je vous fais un point écule. Alors. Attends, faut que j'aille commencer à réfléchir parce que j'ai fait une promesse, maintenant il va falloir que je m'y tienne, ça va être compliqué. Ah ça va, je peux te laisser un bout de temps. Ouais, mais ok, enfin... C'est... Non, je veux ça pour demain matin sur mon bureau, là. Ouais, comme la prof de DNL. Alors oui, il faut savoir que c'est abruti. La prof de DNL, c'est de la discipline non linguistique. Grosso modo, on fait de l'histoire en anglais. La prof, elle dit « what else » pour... Redis-le, je crois qu'ils n'ont pas compris. « What else ?»« What else ?» Bon, bref. Espresso, quoi. Et voilà. Et justement, le truc, c'est que la... Enfin, ouais. Pardon ? La prof voulait pas qu'on dise... Nespresso parce que voilà la blague est trop facile et il y a qu'un seul crétin pour dire Nespresso. Bon à la base c'est moi qui dis ça mais il m'a devancé et du coup il a gagné un recto verso Wikipédia à faire merde. C'était bon bref il a gagné un recto verso à faire pour le prochain cours quoi. Donc ce mec est une douille, vous avez le droit de lui dire dans les commentaires. Mais surtout que c'était à une minute de la fin quoi. Ouais. C'était vachement drôle d'ailleurs. Non parce que c'est vraiment drôle parce que d'habitude c'est moi qui fais ce genre de blague mais bon voilà quoi. Oh merde, j'ai fait un truc pour rien. Ah oui c'est vrai qu'il y avait un passage secret ici. Vous avez le droit de dire dans les commentaires si je parle trop fort etc que je me corrige pour la prochaine fois si on fait des vidéos parce que quand même voilà. Je voudrais pas lui prêter sa chaîne pour une vidéo quoi, ce serait quand même dommage surtout qu'il donne vraiment du mal pour sa chère étant de chaîne qu'il berce dans ses douces bras depuis septembre. Voilà, son projet de chaîne date de septembre en tout cas. Je crois, ouais. Ouais, non, ton projet de chaîne, ça date même de bien avant, mais il a commencé à en parler sérieusement en septembre. À peu près. Attends, non. Même pas, non. Pendant les vacances de ski qu'on avait fait l'an dernier, donc ça fait longtemps. Depuis février de l'an dernier. Ça fait un an qu'il passe à comment faire une chaîne YouTube. Vous avez vu où il en est ? Il est fort quand même. Hein. Et le pire, c'est qu'il fait tout seul. Enfin, le pire. Ça se trouve, ce serait pire s'il le faisait à deux. Hein. Ouais, voilà. Surtout si c'est moi qui t'aide à monter quoi. Oh mon dieu. Non. Là c'est mort quoi. Je vais pas y penser là. Non mais là c'est juste mort quoi. Bon faut savoir que j'ai grosso modo aucune connaissance dans n'importe quel logiciel quel qu'il soit. Il en a trois fois plus que moi des connaissances dans bien des domaines d'ailleurs. Sauf dans Monster Hunter. Là par contre je le bats. Heureusement. Et dans Pokémon aussi. Bon bref dans les jeux vidéo quoi. Certains, pas tous. Oh, presque tous. Bah tous ceux auxquels j'ai joué t'as joué aussi quoi. Bon enfin grave ça compte pas. J'ai pas joué.
Enfin si, mais le 3 niveaux j'ai trop quoi. Tiens, ça fait 20 minutes. Paf, 20 minutes dans ta face. J'espère que ça va. Tu as crevé. C'est... Les 20 minutes dans ta face. 20 minutes dans ta face. Ah ouais, mais attends, c'est trop bien comme concept de vidéo ça. Arrête. Mec, tu tiens un truc. Enfin, je tiens un truc pour toi et c'est pas ta bite. C'est dégueulasse là. Ça, c'est dégueulasse. Bip. Voilà, il faut pas faire de VGS, c'est pas bien. Et d'ailleurs, si Antoine Daniel nous écoute, dédicace à Antoine Daniel. Je suis sûr que c'est son genre non plus. Quelle dédicace on peut lui faire? Oh, tu sais quoi, on sait jamais, hein. C'est vrai. Miracle, ça arrive. Mais pourquoi je meurs tout le temps? C'est chiant. Parce que t'es nul. Non, c'est parce que j'ai un perso que je connais pas. Qu'est-ce que tu peux faire comme référence à Antoine Daniel? Sachant que je ne regarde pas Antoine Daniel, ça va être compliqué. C'est normal dans la rousse. Non, ça va pas. Si. Par contre, c'est bientôt moi qui vais crever. Reste ton bien, je vais pas rester trop longtemps. Alors. Speed penalty. Decrease more speed penalty when attacking from. C'est pas mal ça. Ah, tout ça, tout s'explique. Tu vas y arriver. Non mais j'ai tendance à faire une blague pas drôle à chaque fois que je dis ça, du coup forcément. Faut que je me tienne un peu, on est sur la toile. La toile ça colle. Ok. On va s'arrêter là, hein. Ça marche. Non mais ça me rappelle le carnaval aussi, ça c'était fun. Attends, pas clé. Pas clé. Pas clé. Ouais, je comprends. On va en faire un DLC, c'est ça? C'est ça. Allez. Mega pack. YOLO. Merde, j'ai plus de mana. J'ai plus de mana non plus. Bon, pas le temps que ça revienne. Oh, y'a une clé. C'était pour eux. Ça va, tu t'éclates bien aussi? Ton petit paquet là? Ah ouais, je nage. Putain, mais on tape du 41 quoi, c'est tellement trop puissant les dégâts doubles. Ouais, c'est double dégâts quoi. Ouais, dégâts doubles. C'est un peu comme Gradoum mais avec des dégâts. Oh. Bah quoi, je suis gros, j'en ai parlé quand même. Ouais, enfin, je suis gros, tout est relatif quoi. Enfin bon, ma vie ne vous intéresse probablement pas. Même si c'est déjà bien entamé. Tu vas écrire un mémoire en fait. Ah, je me souviens rien de ce que ça veut dire. Mémoire, souvenir, vous avez vu, c'est vrai. Bon, bah, je fiche toujours la dédicace à Antoine Daniel, moi. Ah, si je sais! En fait, chaque fois que tu fais des vidéos, un what the cut. C'est ça. Tu what the cut toutes les 20 minutes. Ah, ouais, je coupe cette vidéo, on sait pas trop où, comme ça va faire un what the cut. En vrai. Bon, ok, j'arrête avec mes références à la. Con. Non, c'est pas vrai. Sinon, on vient qu'il fait beau en Bretagne en ce moment. Mais quoi? Non, je change de sujet. Attends, t'as un peu internet qui bug là encore. Ça robotise. Non mais c'est vrai, il faut que j'arrête de faire des plays. Boum. Mec, tout à l'heure j'avais 1700 dessous. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié. Alors non, ne crève pas. Merde. Je pensais que ça passait mais non. Pas doué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario. À Mario? Ouais, dans Mario il y a plein de trucs où faut esquiver des pics, des machins, des trucs, des milieux. Du coup, bah, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, bah, je suis plus habitué. Et ouais. C'est pourquoi tu crois que j'ai merde. Attends, pourquoi tu crois que je suis bon en Legacy? Enfin, bon. Je suis pas mort autant que toi, quoi. Oui, en fait, on a fait une petite confrontation sur Legacy. En fait, on a juste calculé combien d'or on ramassait. Et trucs comme ça quoi. Grosso modo, on va commencer par le meilleur pour moi. Je suis mort 28 fois, il est mort 29 fois. Voilà, il a fait 30 000 d'or, j'en ai fait 15 000. Voilà quoi. Il a battu un boss, mais aussi on n'a pas réussi à faire le deuxième. On est parti de zéro. Hein.
Bah, il m'a éclaté, quoi. Bon, en même temps, il est tombé sur que des coffres, donc ça aide. je maintiens qu'avoir beaucoup de coffres dès le début, ça t'a bien aidé. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a bien aidé, mais t'en as eu après aussi. Hein. Ouais, ok, mais enfin, j'en ai pas eu. Il me semble que j'en ai eu moins que toi. Hein. Puis j'ai bien aimé aussi une fois, enfin, à un moment dans la partie, j'avais passé près des 2000, je crois, J'ai passé devant. Et après, cet enfoiré, lui aussi, il passait devant les 2000, mais il me l'a pas dit. Et quand il est mort, il m'a fait: ah ouais, en fait, j'ai fait 500 de plus que toi. Pas qu'on se leur fasse, ça, ces 4, c'était quand même vachement fun. Ouais, j'avoue. Mais il faut que j'arrive. Oh, c'est une kékette, quoi. Juste la lame entre les flèches. Comme dans Skyrim. Olé. Par contre, olé. Du coup, où est-ce que c'était? Ah, c'était vers le bas. Cherche le pont. Ouais, c'est vers le bas. Tu penses que si sur un pont, tu parles à ta copine et tu lui dis bon, dis chérie, ça peut être drôle. Oh non, c'est nul. Mais non, là, c'était les bafons de la blague, là. Là, même moi, je trouve ça nul, donc c'est vous dire. Oh, en plus, la fleur, elle a pas fait long feu. Dites-le avec des fleurs qui disaient. Mais voilà le truc, c'est que si je commence à arrêter de parler, bah y'a plus de son. Je suis le son de cette vidéo. Je suis concentré sur autre chose, là. Oui, sur les 2 ennemis qui arrivent. C'est ça. Ouais, d'accord. Oh, tiens, il y a une... Attends. J'avais plus les mains sur le clavier, là. Ah oui, c'est problématique, peut-être. Un passage. Ah, c'est génial. Le coffre qui apparaît derrière les barreaux. Ouais. Mais tu vas voir que c'est bien, en fait. Viens, il va dire direct. Ouais, bah, comment il disait déjà? Leroy. C'est ça. Ouais, c'est ça. Strange Plank. On a combien de Strange Plank? Nous, on en a 2. Je sais pas combien il y en a entre. Bon, ça one-shot tout, hein, le... Ouais, mais on a les délégables aussi, hein. Mais je pense que c'est la classe qui tape le plus fort. Tu penses à toi? Comment t'as pas de vidéo? Merde, y'a un boss. Un demi-boss? Faut que j'arrive, c'est ça? Faut que Super Hercule arrive à la rescousse pour éculer le boss. Ouais. Il fait genre bien bobo. Bon, bah, nous aussi, tu vas me dire. Ouais, je te disais qu'il faisait bien bobo. Faudra que je t'attends au checkpoint, hein. Je l'ai tué, mais il m'a tué. Je te l'avais dit que je vais t'attendre au checkpoint, hein. Vous avez vu comme je lui fais confiance aussi? Sinon, t'avais une potion que t'aurais pu utiliser. Ah oui, merde, toi aussi, hein. Vous n'avez rien entendu. Je suis la matrice, je vais effacer ce que vous venez d'entendre. C'est ces petits bébés qui m'ont... C'est original comme gameplay. Ouais, c'est sympa, ouais. Le coup de lancer des trucs, c'est sympa aussi. Puis les dagues, elles sont bien puissantes, c'est dur. Ah ouais, ça c'est cool, ça. C'est pas mal. Si tous les valeurs pouvaient être aussi cheatées dans tous les jeux. Bon, note que dans Skyrim, ça marche bien. Oh merde. Faut savoir que j'avais adoré jouer l'archer dans Skyrim. Oh, c'était ma principale, mais j'ai adoré jouer ça. Je trouve ça super fun de voler et de déplayer tout Fayez. Non, mais sérieux, non. J'ai vraiment déroulé les présentés. Tiens, t'as plus de 10. Ouais. Ouh, heureusement que j'utilisais ma potion. Ah oui, c'est vrai. Dans le bon sens. Évidemment. Ok, bon, c'est... Eh merde. Bon, bah, tu as le droit de faire tout seul. Non, c'est pas celui-là. Zut. C'est celle à gauche, celle en haut à droite. Et celle en bas. Non. Oh, bâtard. Hey. Par contre... Ah bah tiens, t'as de la chance. Youhou. On est reparti. Ouais, grave. On est reparti comme en 14, puis ensuite comme en 40. Bon, par contre, t'es passé où? Par le haut. J'ai un vendeur de combo, mais ça sert pas à grand chose. Non, bah, juste acheter le combo, ça c'est utile, mais après... Hop, le combo, histoire de... Ouais, grave, mais après le reste, ça sert à rien. Si, il va niveau max, c'est sympa, mais...
Mais faut avoir les sous pour le monter niveau max, quoi. Ouais, d'accord. Parce que sinon, ça fait 6 trucs à la one glisse, mais... Donc, le combo, grosso modo, dès que nous tuons 10 ennemis à la suite, attendez, je vais vous montrer. Bah, ça remplit la barre, tout simplement. La mort, voilà. Et du voilà. coup, on bouge plus vite, on tape encore plus fort. Enfin, c'est génial, quoi. Tant qu'on tue des ennemis, mais le problème, c'est que le combo, il faut le faire super voilà. rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de réinitialisation du combo, si vous voulez, c'est 0,75. Je sais pas si vous vous rendez compte combien ça fait de temps. C'est ça fait très court. 0,75 fois, ça fait environ 75% d'une seconde. C'est vous dire si c'est petit. Ouais, ouais, vous avez tous noté que j'ai dit deux fois la même chose. Mais bon, après on tape du 31, c'est fait. Du 31 ? Ouais, 61, pardon. 61, ah oui, ouf. Oh mon dieu. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Tu es comme dans Spartacus. C'est bête. J'ai tué la plante en 3 coups, quoi. Oh putain. Punaise, pardon, je suis trop de. Pisque nouille de verre bouillon. Voilà. C'est abusé le combo quand même avec le. Le voleur, c'est bien sympa quand même. Ouais, on est en dégâts doubles aussi. Hein. Ouais, pas. C'est vrai. Mais sinon, oui, c'est le fun. On est en dégâts doubles, plus de vie, 20 PV, on a encore 35. Hop hop. Voilà, quelques sous. Attends, regarde le skill. Ça c'est du skill, moi je traverse les mobs. Eh, je crois que ça... Je crois que tes coups peuvent arrêter les tirs ennemis. Ça, ça je voilà. parierais pas, mais c'est possible. Je viens de perdre 30 bandits pour récupérer 30 bandits. Bravo. Je suis génial. La rentabilisation, ça me... Il y a une descente vers le niveau 1 ici. Attends, t'as même pas récupéré tous les sous-sous. Ouais. Et un boost take là, mais c'est inatteignable. Okay. Bon, d'accord. Ça, c'est fait. Ok, je vois. On n'est pas dans la merde. Alors. Donc, faut que je résiste. Pour trouver une anque. Ok, mais ça sert à rien d'aller par ici. On va aller par en bas. Alors. Ah tiens, voilà la clé d'or. Excusez-moi pour ces derniers. On comprend que dalle. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si vous l'avez entendu, mec, je vous attache une dalle. Mais dis donc, plus ça va, plus ton internet il est con, hein. Je le caboule. Remets ton micro correctement, on t'entend plus. Je le caboule, oui. C'est beau, c'est mieux. C'est un peu mieux, ouais. Bon, je vais bientôt crever. Ouais, il tombe pas. Je sais vraiment pas ce qu'il fait ça. Pourtant, d'habitude, ça va. Ouais. Bon, bah voilà. Ça y est, c'est fini. Ah là là. Statistique, j'ai un score merde, supérieur. Bon, c'est pas grave. J'ai un score supérieur. Ouais, bah. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, hein. On va ouais, arrêter bon là. Aussi. J'espère pas vous avoir trop cassé la tête, ou alors le dire. Si tel est le cas, dites-le, y a pas de problème, je ferai attention la prochaine fois. Je suis prêt à m'améliorer pour que sa chaîne décolle. Oh, attention. Bon, et bien, moi je vous dis au revoir, à plus, salut, à la prochaine. Voilà. Et moi aussi, pareil. Et ben à la prochaine, salut à tous.